Alpine du Tour de France après une échappée d'une centaine de kilomètres. Un formidable exploit. Le Suisse a devancé d'un peu plus de 2 minutes Miguel Indurain, qui a néanmoins conservé son maillot jaune et qui a en revanche creusé l'écart avec ses principaux rivaux. Cette édition de 20h sera largement consacrée à la petite reine et aux exploits des rescapés de cette grande boucle. Page spéciale présentée en direct tout à l'heure de la Plagne par Étienne Lénard et Jean-René Godard, qui s'est fait cet après-midi une grosse frayeur aujourd'hui sur sa moto avec une chute assez sérieuse. Voilà, vous voyez les coureurs en train de se restaurer actuellement à la Plagne. Nous les retrouverons dans un instant en compagnie d'un autre invité prestigieux, Jean-Claude Killy. Auparavant, je vous rappelle les grands titres de l'actualité que nous développerons dans le cours de ce journal. Et tout d'abord, en Bosnie, une nouvelle et très grave humiliation de l'ONU. L'enclave musulmane de Srebrenica, en principe zone protégée, est en effet tombée aujourd'hui aux mains des forces serbes. Alors qu'à Mururoa, les militants de Greenpeace continuent de narguer la marine nationale, devant le Parlement de Strasbourg ce matin, Jacques Chirac a été chahuté par certains eurodéputés écologistes ou socialistes. Rebondissement dans l'enquête après le drame de l'autoroute A9, les conducteurs du car espagnol ont, semble-t-il, pas respecté la législation. Ils auraient dû se reposer le jour du drame. Et puis dernier titre à Paris, tout à l'heure, mystérieux assassinat de l'imam d'une mosquée du 18e arrondissement, cofondateur du Fils, tué à coups de mitraillette. Avant de développer ces titres, retour donc à la Plagne pour un journal en tandem. Nous retrouvons tout de suite Étienne Lénard, habitué à planer sur les sommets. Bonsoir Bruno, merci pour le compliment. Il fait environ 16 degrés ce soir à la Plagne. J'espère qu'il fait un petit peu plus chaud dans le reste de la France. Mais nous avons passé une journée superbe que nous allons vous détailler donc dans une quinzaine de minutes, très longuement, en compagnie de Jean-Claude Killy. J'ai le plaisir de recevoir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la société organisatrice du Tour de France. Il y a des années, vous avez fait rêver les Français en descendant des montagnes et on a rêvé aujourd'hui en voyant les cyclistes monter cette montée de la Plagne. Ah oui, on a connu une journée absolument extraordinaire. La rumeur au départ ce matin voulait que ça serait une journée d'adaptation à la haute montagne. Mais en fait, ça a été une explosion. On a vu ce Suisse fantastique Zulay, une échappée de 100 km. Les Banesto remettre Miguel Indurain quasiment sur orbite et le voir terminer comme ça à la Plagne. Je dois vous dire que ça a été un des grands moments de sport que j'ai vu dans ma vie et j'en ai vu beaucoup. Merci beaucoup Jean-Claude Killy pour ce premier témoignage. Alors quel est le dispositif que nous avons mis en place? Eh bien nous sommes à peu près partout où il se passe quelque chose à 20h sur le Tour de France et il se passe beaucoup de choses. D'abord Jean-René Godard, vous êtes dans la salle à manger où les cyclistes récupèrent après l'effort. Oui, effectivement, c'est un moment important pour les coureurs que ce dîner qui suit la course. Alors, à côté de nous, Richard Virenque à la table de la formation Festina. Expliquez-nous, Richard, ce que vous dînez ce soir pour essayer de vous remettre de cette journée particulièrement pénible. Ben, comme tous les soirs, on mange beaucoup de pâtes, donc c'est des féculents longs et c'est des pâtes. Après, on mange des trucs en semoule ou alors en entrée on peut manger de la salade avec notre repas est vraiment consistant en pâtes. Jean-René, on va vous retrouver dans un petit instant. Je voulais tout de suite qu'on aille retrouver Thierry Clopeau qui se trouve lui à côté de gens qui travaillent encore à l'heure actuelle. Ce sont les mécaniciens du Tour, Thierry. Oui, absolument, ils travaillent énormément. Ce sont les hommes de l'ombre, ces fameux mécanos qui bichonnent très tôt le matin et très tard le soir. Ces petites machines, ces belles machines de course, on les compare souvent aux mécaniciens de Formule 1. Et puis, on les retrouvera. Donc, tout à l'heure, ils sont trois, les mécaniciens de Castorama. Il y a Frédéric, il y a Gérard et il y a Patrice. Et puis aussi, souvent, ce sont les confidents des coureurs. On en saura plus tout à l'heure. Merci Thierry. Et puis, troisième endroit où nous nous trouvons ce soir. Et là, nous allons changer de vallée dans la montée de l'Alpe d'Huez. Patrick Chen se trouve dans cette montée avec déjà beaucoup de monde, Patrick, en prévision de l'étape de demain. Etienne, bienvenue sur un monument. Au football, il y a Maracana, vous savez, au Brésil. Pour le rugby, c'est Twickenham en Angleterre. Pour le cyclisme, c'est là notre monument, la montée de l'Alpe d'Huez avec un drapeau néerlandais et déjà beaucoup de monde. On vous expliquera tout à l'heure pourquoi on parle beaucoup néerlandais dans la montée de l'Alpe d'Huez. A tout à l'heure, nous revenons tout de suite sur cette 9e étape du Tour de France entre le Grand Bornand et la Plagne, une étape superbe avec un double exploit, celui d'Alex Zouleux et celui de Miguel Indurain. Commentaire Laurent-Frédéric Bollet. À décor naturel grandiose, étape grandiose. Entre le Grand Bornand et la Plagne, il y a 161 km à parcourir et un homme va décider de partir alors qu'il en reste encore 100. Cet homme, c'est Alex Zouleux, un Suisse-Allemand coéquipier de Laurent Jalabert. Il est myope, il a des lunettes, mais il voit loin et il voit juste. Derrière, c'est la grande cassure. Evgeny Berzin notamment n'avance plus. À 5 minutes de Zouleux, Indurain souffre lui aussi. Mais il peut compter sur l'aide de son fidèle coéquipier, Gérard Rué.
Au passage du col de Cormet, à 50 km de l'arrivée, Tzule est virtuel maillot jaune. Les poursuivants, dont Induren, se doivent de réagir. Dans les descentes, il y a en tout cas du danger qui rôde. Une moto est à terre, les coureurs l'évitent, mais c'était juste. Rappel des risques que prend chaque jour la route du Tour. À l'attaque de la montée sur la Plagne, Gérard Huet est lâché. Son rôle est terminé, mais Induren peut le remercier. Induren qui, désormais, doit sauver seul son maillot. Devant, Tzule commence à fatiguer, normal. Les conseils sont inutiles, d'ailleurs, ça l'énerve. Il sait bien sûr qu'Induren est soudain passé à l'attaque. Une accélération qui n'a l'air de rien, mais qui laisse tout le monde sur place, demander à Rominger ce qu'il en pense. Induren, à ce moment, est magnifique. En 10 km, il reprend 2 minutes à Tzule et assoit finalement encore plus son autorité. La victoire d'étape, elle est quand même pour Tzule. Il préserve 2 minutes d'avance sur Induren et se place comme son dauphin au classement général. Rominger, Jalabert, Virenque, ils sont loin et sur la Plagne, l'orage éclate. Après Tzule et Induren, le déluge. Voilà, et longtemps après Alex Zoule, longtemps après Miguel Indurain, les cyclistes ont continué à arriver à la Plagne. On va le voir sous des images particulièrement dures parce qu'il s'est mis à pleuvoir une demi-heure environ après l'arrivée d'Alex Zoule. Vous le voyez ici, des retardataires qui sont arrivés trois quarts d'heure, une heure, parfois même plus après les premiers. Nous vous ferons donc revivre toute cette étape dans une quinzaine de minutes. Nous nous retrouvons tout à l'heure. Bruno, voilà, c'est à vous. Merci. Nous vous retrouvons donc après avoir développé les grands titres de l'actualité. Une actualité, encore une fois ce soir, bien peu réjouissante, avec tout d'abord en Bosnie un événement très important, lourd de conséquences. Les Serbes bosniaques ont en effet pris le contrôle de Srebrenica, une enclave musulmane où vivent environ 44 000 personnes, dont 20 000 réfugiés qui fuient à nouveau massivement l'avancée des troupes serbes. Presque dérisoire cette réaction de l'OTAN avec une frappe aérienne. Deux F-16 néerlandais ont bombardé deux blindés serbes. Tout de suite le point avec Stéphane Magnier. C'est l'un des plus grands drames de cette guerre en Bosnie qui est en train de se dérouler loin des caméras. L'enclave musulmane de Srebrenica, à une centaine de kilomètres à l'est de Sarajevo, est tombée aux mains des Serbes vers 15h cet après-midi. Les 40 000 personnes réfugiées dans cette ville fuient en ce moment même dans la panique, à pied, vers le nord, où se trouve la poche musulmane de Tuzla. 25 000 d'entre eux sont actuellement massés dans le village de Potocari, où les casques bleus hollandais ont leur base principale. Nul ne sait combien il y a de victimes, ni combien il y aura de survivants parmi ces hommes, femmes et enfants, filmés pour la dernière fois vendredi dernier par un amateur. Les Serbes n'ont autorisé aucun journaliste depuis 2 ans et demi à s'y rendre. Les casques bleus hollandais, qui ont eux aussi abandonné leur position, essayent, semble-t-il, d'encadrer l'exode des réfugiés. C'est d'ailleurs la protection de ces casques bleus qui a donné un motif à l'ONU pour demander une intervention aérienne de dernière minute à l'OTAN. Comme d'habitude, les appareils ont décollé de la base d'Aviano en Italie pour bombarder les forces serbes. Deux chars serbes ont été détruits d'après l'ONU en début d'après-midi. Une intervention trop tardive, trop faible pour changer le cours des choses. Les Serbes ont d'ailleurs, semble-t-il, déjà commencé une autre offensive sur une deuxième enclave, celle de Zepa. Comme Srebrenica, Zepa est démilitarisée, sa conquête ne pose guère de difficultés militaires. Ce soir, l'ONU annonce que le chef des casques bleus hollandais est aux mains des Serbes, l'OTAN s'est montrée inefficace, la force de réaction rapide n'est toujours pas prête à intervenir, la population bosniaque anéantie, le bilan est catastrophique. À Strasbourg se tenait un sommet franco-allemand et bien évidemment Jacques Chirac et Helmut Kohl ont parlé de l'aggravation très notable de la situation en Bosnie. Je vous propose d'écouter les déclarations à l'instant du chef de l'État. La France et l'Allemagne ont fait savoir d'une part à l'ONU et d'autre part à la Hollande qu'elles étaient prêtes à apporter leur concours politique et pour ce qui concerne la France, puisqu'elle a déjà une partie de sa force de réaction rapide sur le terrain, son concours militaire, en tant que de besoin, à la demande de l'ONU, bien entendu, qui seule peut engager une telle action. Philippe Arouard, un premier commentaire à chaud sur ces événements qui se bousculent et donc la chute de Srebrenica qui est tombée aux mains serbes et une réelle humiliation pour l'ONU sur le terrain. C'est un camouflé, vous avez raison, et on peut dire que la situation se dégrade de plus en plus en Bosnie. Les raids de l'OTAN d'aujourd'hui, on l'a vu, quelques chars attaqués n'ont pas
empêcher la prise de la ville, tout juste de permettre de dégager la plupart des casques bleus néerlandais. La force de réaction rapide, eh bien, elle n'est pas intervenue. Le secrétaire général de l'ONU, Boutros Ghali, explique dans une interview à paraître demain au Figaro qu'elle n'est pas prête techniquement et que la seule solution consiste à négocier. Mais négocier, rien n'avance. Et il faut dire que sur ce point, les négociateurs ont été habitués à ce que les Serbes et les Serbes bosniaques jouent avec eux au chat et à la souris. Alors comment avoir confiance? Le mot « retrait » de la forprenue est de plus en plus prononcé. Pour dire que c'est la plus mauvaise solution, bien sûr, mais si la situation continue à se dégrader, si une négociation n'est pas possible, cela pourrait apparaître comme la seule solution réaliste, le retrait. Surtout si les Américains votent, le Congrès américain vote demain ou après-demain, la levée de l'embargo des armes pour les Bosniaques. Et alors on ne voit pas très bien comment on pourrait rester en Bosnie avec une telle situation. Merci Philippe Arouard. Autre titre de l'actualité, l'enquête sur le drame de l'autoroute A9 qui a fait, je vous le rappelle, 22 victimes. Ce drame a connu aujourd'hui un rebondissement avec cette révélation du procureur de la République de Nîmes. Les repos hebdomadaires n'ont pas été respectés par les deux conducteurs du bus espagnol. Selon l'inspection du travail qui a fait une étude, les deux chauffeurs du car espagnol auraient dû être en repos le jour du drame. Ces deux hommes, mais aussi les propriétaires de la compagnie d'autocars espagnole, eux aussi en garde à vue, vont être amenés à rendre des comptes à la justice. Tout de suite, le point de l'enquête avec Agnès Varamian et Pascal Caron. Il est 4h moins le quart lorsque Salvatore Sanchez quitte la gendarmerie d'Orange. Devant les enquêteurs, il a constamment nié s'être endormi au volant de l'autobus. Il maintient sa version, c'est en doublant le camion et alors qu'il était éveillé que le choc a eu lieu. Lorsqu'il roule en direction de Nîmes pour être présenté au parquet, le chauffeur ne sait pas que 2 heures plus tôt, toute l'affaire a basculé. Jusqu'à présent, il s'agissait d'un coup de pompe, presque d'une fatalité. Les témoins du bus ne parlaient ni de faute, ni d'imprudence. Cet après-midi, la justice a reçu l'analyse du mouchard de l'autobus. Les éléments sont accablants, non seulement pour le conducteur, mais aussi pour les responsables de la société de transport. Les disques montre en effet que les chauffeurs ont roulé 10 jours, sans respecter les repos hebdomadaires, sans quitter le bus, sans même s'arrêter, comme le prévoit la législation, 8 heures toutes les 30 heures de conduite. Le 10 juillet, jour de l'accident, Salvatore Sanchez et son collègue auraient dû être en congé. En fait, ils entamaient le retour d'une longue série de 5 voyages entre l'Espagne et la Hollande. C'est de son lit d'hôpital, à Nîmes, que David a réagi sans colère à la nouvelle. À ses côtés, son père, chauffeur de camion, la législation, il connaît. Moi, je pense que ce n'est pas les chauffeurs qui sont responsables. Derrière eux, il y a une société et des patrons, des responsables qui ont décidé de les faire conduire comme ça. Moi, je pense qu'il y a des responsables, ça c'est sûr. Mais il y a deux formes de responsabilité. D'abord le chauffeur, parce que le chauffeur ne fait pas attention à sa conduite. Ensuite, il y a une autre forme de responsabilité, une responsabilité forcée. Les enquêteurs ont entendu aussi deux des dirigeants de la société de transport. Ils sont mis en cause dans l'organisation du travail. La justice veut aussi savoir pourquoi le mouchard de l'autobus a été en partie trafiqué. Cet après-midi, peu de familles connaissaient le dernier rebondissement. Autour de la chapelle ardente, on pensait à autre chose. Ils ont envie de rentrer chez eux. Ils ont envie, pour les catholiques majoritaires en Espagne, d'avoir une cérémonie avec les gens de leur quartier, de leur village. Une journée d'enquête à Nîmes, une journée de deuil au village de Roquemort. Ce matin, une cérémonie religieuse avait rassemblé familles et gens du village. Autre titre de l'actualité, la situation à Mururoa où les militants de Greenpeace continuent à narguer la marine nationale française. Un Zodiac du Rainbow Warrior est en effet toujours activement recherché par les militaires à proximité de l'atoll dont le lagon est désormais barré par des fils afin d'éviter toute victime indiscrète. Le point avec José Blanc-Lapierre et Valérie Astruc. Toujours pas de traces du 5e Zodiac de Greenpeace. La marine française cherche toujours, même à bord du Rainbow Warrior, c'est l'incertitude. On ne peut pas dire s'il est à l'intérieur ou à l'extérieur du lagon. Et nous n'établissons aucun contact radio avec lui parce que ce contact radio pourrait le faire repérer.
Et donc c'est pour nous quelque chose qui n'est à utiliser que, qu'en cas vraiment d'urgence, si jamais leur sécurité était menacée. Quant aux trois navires de Greenpeace, ils croisent toujours aux abords de la zone interdite, prêts à un nouvel assaut de Mururoa. Mais les autorités françaises ont pris les devants, des câbles vont être installés pour bloquer l'entrée de l'atoll. Le bras de fer se poursuit donc sur mer comme sur terre. Hier soir, l'affrontement a eu lieu à Mururoa. L'équipage de Greenpeace vient d'être libéré, mais coup de théâtre, ils improvisent un sit-in sur le port en compagnie de Monseigneur Gaillot, lui aussi libéré. Les militants écologistes refusent de quitter l'atoll. Qu'à cela ne tienne, les autorités françaises utiliseront à nouveau la force. Contre leur gré, l'équipage embarquera manu militari sur une navette de l'armée française, cap sur le Rainbow Warrior. Le navire a donc ce matin retrouvé son équipage, mais il ne pourra donner l'assaut car l'altercation avec les autorités françaises avant-hier a provoqué une avarie. Mais les deux autres navires de Greenpeace pourront prendre le relais. Les écologistes annoncent une riposte imminente. Et en France, Greenpeace a organisé une manifestation très spectaculaire à l'occasion du sommet franco-allemand en déployant dans le ciel de Strasbourg un immense ballon gonflable en forme de bombe et en déclenchant des sirènes d'alerte extrêmement puissantes. Ce matin, Jacques Chirac avait été, toujours à Strasbourg, chahuté devant le Parlement européen par un certain nombre d'eurodéputés écologistes ou encore socialistes. Récit Véronique Saint-Olive, Gérard Derlet. Une chaleur caniculaire, une ambiance torride et le président de la République empêché de parler. Le Parlement européen était ce matin en ébullition avec les écologistes et les socialistes mobilisés contre la reprise des essais nucléaires français. Alors à ceux qui le taxaient de Rambo néo-gaulliste et qui dénonçaient sa décision comme irresponsable et barbare, Jacques Chirac a répondu sans détour. Avant de vouloir donner des leçons à tout le monde, il faut essayer d'abord, avec son cœur comme avec sa tête, de comprendre les problèmes qui se passent ici ou là et d'essayer de les aborder avec réalisme et non pas de façon idéologique. Mais les pacifistes n'en avaient pas fini. Et c'est sur fond d'alarme que le président Jacques Chirac accueillait en début d'après-midi Helmut Kohl pour le 65e sommet franco-allemand. Si le chancelier a réaffirmé que la décision des essais nucléaires relevait de la seule souveraineté française, il n'en a pas moins souligné l'inquiétude de l'opinion publique. On était bien loin aujourd'hui de l'ambiance détendue de la première rencontre des deux chefs d'État il y a un mois à peine. La contestation de la reprise des essais nucléaires par la France a donc parasité le 65e sommet franco-allemand. Selon un récent sondage, en effet, 95% des citoyens allemands sont tout à fait hostiles à la décision de Jacques Chirac. En principe, ce sommet devrait être largement consacré à l'architecture de l'Europe politique et monétaire de demain, avec l'élargissement de l'Union et la mise en place de la monnaie unique. Mais je vous le disais, bien évidemment, les deux hommes d'État ont parlé de l'aggravation de la situation en Bosnie. Je vous propose de retrouver tout de suite à ce sujet notre envoyé spécial, Gilles Rabin, à Sarajevo. Donc la chute de l'enclave musulmane de Srebrenica, qui était en principe zone protégée par l'ONU. Gilles Rabin, vous m'entendez ? Tout à fait, je vous entends. Est-ce qu'on peut dire que c'est un échec cinglant pour l'ONU ce soir ? C'est un échec absolument indiscutable. C'est un échec qui remet en cause ce qui restait de crédibilité internationale en Bosnie. C'est un échec qui va rendre encore plus compliqué et plus difficile l'action des casques bleus en Bosnie. Alors ce soir, d'ailleurs, les officiers bosniaques de Sarajevo n'ont pas caché à leurs interlocuteurs casques bleus qu'ils considéraient qu'ils avaient été trahis par les Nations Unies à Srebrenica. Alors ce soir, il ne reste plus que 5 enclaves sur les 6 protégées, dont une qui est déjà réduite de moitié, c'est Bihać. Toutes les 5 sont assiégées, toutes les 5 sont bombardées et toutes les 5 ont des morts et des blessés tous les jours. Oui, et est-ce qu'on peut dire un mot de cette fameuse FRR, la force de réaction rapide, qui devrait être en principe opérationnelle à la fin de cette semaine? Est-ce qu'elle peut être opérationnelle dans un tel cas pour notamment libérer les casques bleus qui sont retenus à Srebrenica? Écoutez, ça c'est aux militaires de répondre. La force de réaction rapide devait être opérationnelle après le 15 juillet. C'était le calendrier prévu. Ce calendrier sera respecté. Ce qu'on peut dire ce soir, c'est que les Serbes le savaient, qu'ils ont joué remarquablement avec ce calendrier. Ils savaient qu'il leur restait quelques jours seulement pour prendre une enclave. Ils ont mis tous les moyens nécessaires pour le faire. Et les deux frappes de cet après-midi, les deux frappes de l'OTAN, n'ont ni arrêté, ni même retardé leur offensive.
Merci beaucoup Gilles Rabin. Vous étiez, je vous le rappelle, en direct de Sarajevo. Toute dernière information en provenance de l'étranger, l'hospitalisation de Boris Yeltsin en raison de problèmes cardiaques. Le président russe continue, dit-on, à Moscou d'assumer ses fonctions depuis son lit d'hôpital. Mais ses soucis médicaux relancent bien sûr les incertitudes concernant l'éventuelle candidature de Boris Yeltsin à l'élection présidentielle de juin 1996. Retour en France avec un mot des affaires. Le Parti républicain a en effet annoncé son intention de porter plainte pour diffamation contre le journal Libération, journal qui affirmait aujourd'hui que le PR est copropriétaire d'un compte en Suisse géré par un proche d'Alain Madelin. D'autre part, le parquet de Paris n'entend pas donner de suite judiciaire à la fixation du loyer de l'appartement de Laurent Juppé par son père, le Premier ministre. Pour le procureur de la République, le délit d'ingérence ne peut être caractérisé. Puis je reviens à l'information que je vous donnais également en titre, l'assassinat tout à l'heure à Paris d'un imam qui s'occupe de la mosquée du 18e arrondissement de Paris, l'imam Abdelhaki Sarraoui, qui était très proche du fils et qui avait rendu visite récemment aux islamistes retenus à Folembray. Cet homme a été assassiné en fin d'après-midi à coups de mitraillette à l'intérieur même de la mosquée du 18e arrondissement. Voilà pour l'essentiel des informations qu'il fallait retenir ce soir. Je vous propose de reprendre tout de suite la route du Tour, d'aller à la Plagne, retrouver en direct Étienne Lénard. Merci beaucoup Bruno. Effectivement, nous nous retrouvons dans la salle à manger du Club Méditerranée de la Plagne qui a la gentillesse de nous accueillir. Et vous le voyez, les coureurs arrivent les uns après les autres. Nous sommes bien évidemment en compagnie de Jean-Claude Killy. Beaucoup de coureurs qui descendent progressivement de leur chambre d'hôtel. Nous discuterons avec eux tout à l'heure. Je voudrais que nous revenions sur l'étape du jour. Nous avons distingué deux hommes. D'abord Miguel Indurain, parce qu'il conserve et qu'il conforte même son maillot jaune. Et ensuite, bien sûr, le vainqueur de cette étape, le Suisse Alex Zouleux, au terme d'une échappée de 100 km. Il est donc arrivé en vainqueur à la Plagne, le grand bonhomme du jour, avec François Brabant. Ça n'est pas qu'il soit mystique ou particulièrement croyant, mais le geste d'Alex Zouleux sur la ligne d'arrivée traduit bien son état d'esprit. Lui qu'on croyait maudit l'emporte enfin dans le Tour, à 27 ans, ça ressemble à un baptême. Car Zouleux revient de loin, du Tour 92 exactement, où pour ses grands débuts dans la grande boucle, il casse la baraque. Un prologue à 2 secondes d'Indurain, un maillot jaune prometteur et puis plus rien, ou presque. L'an dernier, il finit 8e à Paris. En 94, sa saison est blanche. Et puis il se réveille et gagne cette année le Tour d'Aragon et le Tour du Pays Basque. Aujourd'hui, sa première victoire d'étape en refait un peu l'espoir qu'il était il y a 3 ans. Lui, le rouleur, peut espérer un podium à Paris s'il ne flanche pas et si la poisse le lâche. Car Zouleux n'a pas toujours été gâté par le sort. En 93, il perd la Vuelta, le Tour d'Espagne, pour 29 secondes seulement à cause d'une chute due à sa myopie. Aujourd'hui, le Suisse porte des lunettes et il l'a prouvé, il a du caractère, voire de l'orgueil. « Je suis un pur sang », dit-il volontiers de lui-même, « et on n'empêche pas un pur sang de courir. » Voilà, et pour saluer l'exploit de Zouleux et l'exploit d'Indurain, il y avait bien évidemment, et comme chaque jour, tout au long de la montée vers la Plagne, des dizaines de milliers de spectateurs, tous supporters de tous ces cyclistes qui sont montés dans des conditions parfois difficiles. Une journée à la Plagne qui avait commencé très très tôt, qui avait même commencé très tard la nuit dernière. C'est un reportage d'Anne Poncinet et Philippe Fivet. 4h30 ce matin, levée de rideau à La Plagne. Les camions de la caravane du Tour viennent d'arriver. C'est là, on peut décaler là un petit peu. Et là, c'est juste la dérivation des directeurs sportifs. Donc, aucun problème, on a de la place là. C'est l'heure des logisticiens, des échafaudeurs et tout ce petit monde travaille dans une bonne odeur de croissant car le boulanger n'a pas chômé non plus. Double journée aujourd'hui. On est boulot depuis 7h du soir hier. Jusqu'à ce soir. Au lever du jour, sa peinture lure déjà sur le goudron. Chacun y va du nom de son coureur favori. Là, il s'agit de Bertin. Et celui-là, il se réveille. Les camions, ça m'a un peu empêché de dormir, mais c'est pas grave. C'est sympa. Est-ce que vous êtes bien placé, là? Je crois qu'on y verra bien. Ça va durer une partie de l'après-midi. Nous, les brassistes, du premier au dernier, on regarde tout. Hein. 10 heures, la ligne d'arrivée est tracée. Un peu plus bas, on efface ce cochon en maillot à pois jugé de mauvais goût. C'est l'invasion dans la station. 5000 voitures sont attendues, 20000 personnes. Pour la Plagne, le Tour, c'est 10 jours de gagner sur la saison d'été et un bon support de pub international. L'étape du Tour de France, au plan médiatique international, est classée 3e. Immédiatement après les Jeux Olympiques, qui n'ont pas lieu tous les ans,
la Coupe du Monde de football, et on a cette épreuve nationale si populaire en France qui déborde les frontières avec 30 ou 32 chaînes de télévision de vos confrères. Le passage du tour aura coûté 1,5 million de francs à la station. Pour ce restaurateur envahi par les camions de la caravane, la journée s'est avérée moins belle que prévu. Mais dans l'ensemble, élus et commerçants pensent en sortir gagnants. Jean-Claude Killy, je rappelle que vous êtes le président de la société organisatrice du Tour de France. On est frappé chaque année par l'engouement de plus en plus important pour le Tour de France. Oui, c'est vrai. Le Tour de France date de... Le premier a eu lieu en 1903. Et je crois que l'engouement est à tous les niveaux, c'est-à-dire les sportifs que l'on voit, les champions, qui adorent leur Tour de France malgré toutes les souffrances. Les spectateurs le long de la route, ils sont de plus en plus nombreux, les téléspectateurs de plus en plus nombreux. J'ai envie de dire que c'est le vélo, parce que le vélo, en France, il y a 50 millions de personnes qui sont montées un jour sur un vélo, ne serait-ce que pour aller chercher leur pain, et qui se rendent compte, vraiment, des souffrances que ces sportifs endurent. Et je crois que c'est le seul sport qui permet ça, cette relation à travers cet instrument, si vous voulez. Donc nous sommes très contents, et c'est vrai aussi dans le reste du monde, puisque il y a 3 ans, c'était repris par à peu près 40 à 45 pays. Aujourd'hui, c'est 147. Alors précisément, je vous propose d'aller rejoindre tout de suite l'homme qui symbolise sans doute le mieux à l'heure actuelle le succès du cyclisme à travers le monde, Miguel Indurain, qui est dans l'autre partie de la salle à manger, qui se trouve aux côtés de Jean-René Godard. Jean-René ? Oui, Étienne, Miguel qui est à côté de nous, qui vient de s'installer à la table de la formation Banesto. Alors, première question, Miguel. On parlera après de votre journée d'aujourd'hui. D'abord, donnez-nous votre menu ce soir. Le menu, c'est un peu de tomate, la pasta, la viande au poisson. Oui, je pense que vous avez compris la traduction pour le menu. Les tomates, les pâtes. Voilà, et la viande ou le poisson. La viande de poisson. La viande ou le poisson. Et vous buvez quoi solo à quoi? Non, un peu de vin de l'Espagne. Oui, un peu de vin rouge d'Espagne que vous faites venir exprès. C'est l'équipe Banesto qui amène son vin. C'est le masochista qui est le porte de l'Espagne. Il a mangé assez. Oui. Donc, du vin rouge amené spécialement. Alors, Miguel Indurain, donc vous venez de nous décrire ce que vous mangez. Vous mangez tout ça pour, bien sûr, vous réconforter le soir, car il y a une étape extraordinaire aujourd'hui. Alors, vous avez l'impression ce soir à la Plagne, Miguel, que vous avez fait un grand pas vers la victoire dans le Tour de France. C'est une journée très difficile. C'est hier la journée de repos et beaucoup voient que non marche bien. Et c'est une étape difficile. Et demain, c'est une étape qui arrive à P2. C'est también difficile. Ce soir, quand même, vous avez l'impression d'être en position de force au classement général. Si, c'est une étape difficile. Et je m'attaque le dernier col et il va bien, non? C'est un autre coureur troublé qui marche très très bien. Là, vous avez une bonne avance au classement général. On peut dire que vous êtes bien parti après 10 jours de course pour gagner ce 5e Tour de France consécutif. Si, tout va bien, mais j'espère que la mitad des tours, c'est beaucoup. Jean-René, on va retrouver oui. Miguel Indurain à vos côtés avec Jean-Claude Killy dans un petit instant. Je suis aux côtés, dans une autre partie de la salle à manger, aux côtés de Laurent Jalabert qui nous a rejoint. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que cette salle à manger, finalement, c'est un endroit où les coureurs se retrouvent après une étape? Il y a un côté sympa quand même. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce que d'habitude, on est une équipe ou deux par hôtel, mais bon, en montagne, l'hôtel est très grand. On se retrouve presque toutes les équipes dans le même hôtel. Ça fait pas mal de pagailles. Après l'effort, le réconfort, hein, ça a été une journée difficile. Très difficile, mais bon, le bilan est très positif. Maintenant, c'est un moment agréable. On va manger. Merci beaucoup, Laurent. Alors, bien évidemment, pour revenir sur cette journée, tous les villages traversés par la course entre le Grand Bornan et la Plagne s'étaient préparés pour l'occasion et s'étaient mis sur leur 31. C'est un reportage d'Olivier Sou et de Cécile Remlinger. Le Tour de France qui passe, c'est une fois par an et ça ne se rate pas. Alors Beaufort a sorti le podium et la fanfare des grands jours pour accueillir, comme il se doit, la caravane du Tour. Au passage, distribution de cadeaux en tout genre, en attendant le peloton, de quoi faire le plein de souvenirs pour épater les copains à la rentrée. De toute façon, il y en a vraiment pour tous les goûts. Trois casquettes, une paire de lunettes, le coiffure, des livres, des drapeaux, puis un badge.
La longue attente sous le soleil est enfin récompensée. Les premiers échappés arrivent, suivis par le gros du peloton. Beaufort est un point de ravitaillement après la descente du col des Saisies, ce qui laisse un peu de temps aux spectateurs ébahis pour admirer l'exploit des coureurs. Ils sont très courageux, hein, mais enfin moi personnellement, j'ai mon temps de me trouver là à la terrasse, hein. Parce que vraiment, il faut être courageux pour monter là-haut, surtout de 120. Hein. La fête est finie, l'heure est venue de tout remballer. C'est promis, on reviendra l'an prochain. En attendant, il ne reste du tour que quelques embouteillages et des routes bloquées, incompréhensibles pour les malheureux touristes égarés dans cette jungle. 30 minutes. 20 minutes. 20 minutes. Allez, bon courage quand même et bienvenue sur le tour. Voilà, nous nous retrouvons toujours dans cette salle à manger aux côtés de Richard Virenque. Richard, vous recevez une montagne de courriers tous les soirs. Ça fait plaisir, j'imagine. Oui, c'est sûr que ça, qu'on a un peu plus de temps le soir vers les 10 heures, parce que c'est à partir de là qu'on a un peu plus de temps. Je commence à ouvrir un peu le courrier et lire un peu les supporters, les supportrices qui m'écrivent et qui disent un peu ce qu'ils souhaiteraient que je fasse. Et bon, c'est sympa. Alors sur une étape, il y a des coureurs et il y a bien évidemment dans les voitures suiveuses des directeurs sportifs et des tacticiens qui mettent au point précisément des tactiques en fonction de la manière dont la course évolue, et ce à l'abri des regards indiscrets. C'est un reportage de Thierry Clopeau. Ce petit homme de 57 ans, José Miguel Echavarri, n'est pas le porteur de valise d'Indurène, mais sa tête pensante. C'est le grand tacticien. Il déteste la lumière des médias, pas question de l'interview en course. Ce sorcier de la petite reine reste modeste et ne jure que par son roi, Miguel, premier. Il n'y a pas de bonne tactique s'il n'y a pas un bon leader. Le leader, c'est ce qui fait que la tactique soit bien. Hein? Rosset n'en dira pas plus. C'est une tombe, comme son prestigieux élève. Et pourtant, l'attaque de cet après-midi, préparée par toute l'équipe, elle a sans doute été mise au point hier soir à l'hôtel du Grand Bornand. Echavarri n'est pas le seul à se taire. Cyril Guimard, le directeur sportif des Castorama, lui aussi joue l'omerta des maîtres tacticiens. Est-ce qu'il y a des sorciers de la tactique? Non, il n'y a pas de sorciers nulle part, il y a de la logique. On n'en saura pas plus. Le petit homme de Navarre lui a retrouvé ce soir son roi à l'hôtel. Un nouveau plan en perspective avec toute l'équipe Banesto, mais Indurène, si fort aujourd'hui, en a-t-il encore vraiment besoin? C'est bon. Voilà, Thierry Clopeau que nous retrouvons maintenant. Thierry, vous êtes toujours avec les mécaniciens qui, eux, continuent à travailler au moment où les coureurs se reposent. Oui, absolument. Eh bien, écoutez, pour les mécanos, c'est boulot non-stop. Tout à l'heure, les coureurs ont fini l'étape à 17h30. Et puis eux, Patrice, Frédéric et Gérard, eh bien, ils sont toujours là. Patrice, qu'est-ce qui se passe exactement? Quoi consiste votre travail? Souvent, on vous compare aux mécaniciens de Formule 1. C'est-à-dire que le soir après l'arrivée, dès que les coureurs sont rentrés à l'hôtel, on nettoie les vélos. Et ensuite, c'est la grande révision quotidienne. Alors, est-ce qu'il y a une grosse différence entre la préparation de vélos pour la montagne, comme aujourd'hui, par exemple, et les vélos de contre-la-montre? C'est plus difficile pour le contre-la-montre. Le contre-la-montre demande beaucoup de temps, oui, de préparation. Et pour la montagne, c'est plus souvent les problèmes de braquets, qu'il faut bien choisir les braquets et les monter sur les vélos. Alors voilà, donc merci Patrice. Donc les mécanos s'occupent des vélos, mais ils ne font pas que ça. On va tout de suite rejoindre le car tout de suite de Castorama. On va retrouver Gérard tout de suite. Gérard qui est ici, vous le voyez, devant une machine à laver. Et oui, car il lave le linge aussi, les mécanos de Casto. Oui, évidemment, les vélos, on sait tous les jours, tous les soirs. Bon, vous avez vu, bon, ils ont eu beaucoup de pluie là, pour cette fin d'étape. Bon, bah, c'est pareil, il faut nettoyer les vélos, les voitures et le linge des coureurs. Donc, vous voyez, la petite trouvaille, la dernière trouvaille, c'est ça. Maintenant, dans toutes les équipes, dans les gros véhicules, vous avez une machine à laver, un sèche-linge. Et vous séchez le linge en plus. Et bien sûr, on sèche le linge, c'est ça. Voilà, donc on va retrouver maintenant le Karcher, parce qu'il lave les vélos au Karcher aussi à 20h15, même sous la pluie, ici à la plaine. On va retrouver Frédéric. Frédéric, ça se passe comment? Vous vous levez tôt, vous vous couchez tard, c'est difficile d'être mécano. Hein. Oui, bah, y a le matin, bien souvent, sur les coups de 7h, on est debout pour venir travailler. Et puis le soir, jusqu'à 8h, 8h30, 9h, s'il faut. Et puis on fait ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire le nettoyage, la mécanique. Et puis voilà quoi. Alors les mécaniciens s'occupent de l'intendance, mais aussi parfois ils sont les confidents des coureurs. Il vous arrive d'avoir des confidences? Ouais, bah on est bien placé, étant donné que bon, on est les premiers à les voir pratiquement en même temps que les soigneurs. Donc c'est vrai qu'on a des petites confidences ensemble. Merci beaucoup. Voilà, bah merci. Oui, ouais, on voit bien que c'est une organisation qui est parfaitement huilée pour une épreuve dont on dit sans doute à raison que c'est la plus grande manifestation sportive du monde. Eh bien, c'est aussi une excellente affaire commerciale. Regardez le reportage ce matin
de Patrice Romney. Le village du Tour, l'endroit où il convient de voir et d'être vu. Être vu, c'est l'obsession des sponsors qui accueillent à l'ombre des parasols. Voir, c'est le plaisir des curieux. Voir Jean-Claude Killy, voir Edgar Groupiron ou encore Raymond Poulidor. On m'arrête, on me reconnaît. Seulement maintenant, ce sont les pépés qui viennent faire signer leurs petits-fils et qui me présentent à eux. Il fut un temps, c'était les papas. C'est quoi l'esprit du village? L'esprit du village, convivialité, ambiance. Préparation à passer une bonne journée pour nous inviter. C'est le cas aujourd'hui, général Rivière et colonel Ozen pour la direction de la gendarmerie. Bon appétit. Voilà. Merci. Merci. Voilà, convivialité, décontraction. Voilà. Allez, viens. Des forces vers la montagne. C'est ainsi que ce matin, Raphaël Gemignani faisait honneur aux spécialités savoyardes, que Francis Moreau s'offrait une coupe spéciale montagne et que ses collègues faisaient eux provision de paires de lunettes, ils ont tendance à consommer. Malheureusement, on en perd quand même, parce que des fois, on les met dans les poches, et lorsqu'on se met en danseuse, on perd les lunettes, donc on vient en récupérer une petite paire le matin. Oui. Le village du Tour, c'est le réconfort avant l'effort. Pour les plus jeunes, le moment rêvé pour aborder les coureurs cyclistes, et pour les coureurs tout court, le moment rêvé pour aborder les hôtesses. Est-ce que les gens draguent beaucoup sur le village? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous arrivez à le dire sans rire? Vous dites tout sans rire? Joker. Voilà, nous nous retrouvons à la table de Miguel Indurain qui a rejoint Jean-Claude Killy. Jean-Claude, un mot sur l'argent, c'est aussi une histoire d'argent, le Tour de France, et la réussite commerciale ne se dément pas. Oui, c'est une histoire d'argent parce que organiser le Tour de France, ça coûte vraiment très très cher, donc il faut qu'on ait cet argent. Mais mon but, ma mission n'est pas de gagner de l'argent, mais d'assurer la pérennité du Tour de France. Et cela, on le fait à travers le sport, grâce au sport, pour le sport, on ne fait que du sport chez nous et ensuite on regarde ce qui se passe. Nous avons des associés, des grands sponsors, des annonceurs. Nous avons une association aussi avec la télévision Service Public en France qui est extraordinaire. Mais notre but, c'est la satisfaction des gens comme Miguel Indurain et qu'ils puissent vraiment faire leur métier. Et à partir de ce moment-là, Jean-Marie Leblanc et moi, nous pouvons dormir tranquille, le reste suivra. Alors cette passion précisément, on va continuer à en parler en rejoignant Patrick Chen. Patrick, vous vous trouvez, je le disais au début du journal, en direct dans la montée de l'Alpe d'Huez et dans la perspective de l'étape de demain, les places sont déjà très très chères. Tout à fait, tiens, alors c'est très amusant de se retrouver ici après le sujet sur le village, parce que là c'est un autre village, mais alors c'est pas du tout le même style, c'est vraiment campeur. Hein. Les yeux au plat à la néerlandaise, je vous laisse juger. Merci de votre accueil, je parle très mal le néerlandais, je vous fais simplement faire une petite visite. Ça ressemble à un camping, côté de Palavas-les-Flots ou autre. Vous vous baissez, une petite tente, il y a les petits enfants qui sont là, vous voyez. Je vous confirme que je parle très mal le néerlandais. Alors des explications, pourquoi des néerlandais partout? On va essayer de comprendre ensemble, en allant rejoindre le seul français que nous avons trouvé, il est par là-bas. Pourquoi des néerlandais? Parce qu'ici, sur 17 passages à l'Alpe d'Huez, il y a eu 8 victoires néerlandaises. Zotemelk, Kuiper, Zotemelk à nouveau, Kuiper, Winnen, Roux, Tennis, tous les néerlandais ont réussi ici. Alors ici, c'est devenu un lieu de pèlerinage. Mais j'ai quand même trouvé un français, c'est presque un exploit ici, car vous avez même vu le grand panneau qu'on vous montrait tout à l'heure. Alors j'ai trouvé un français, et c'est presque un événement. Que faites-vous ici? Il n'y a que des néerlandais. Oui, il y a un français à côté de moi aussi. On est deux. On est venu voir le Tour. Vous êtes là depuis quand? Depuis hier matin. C'est ça aussi la force du Tour. 48 heures ici pour voir passer les coureurs. Combien de temps? Allez, 15 minutes ou peut-être 10 minutes? Plus, une heure ou deux. Une heure ou deux pour les attarder, à vous leur souhaiter du mal. C'est une passion le Tour ou c'est simplement pour le tourisme? Non, c'est pas une passion, j'étais en vacances dans les Alpes, j'ai passé à l'Alpe d'Huez pour voir le Tour de France. Bon, j'ai vu le Tourmalet, j'ai vu pas mal de choses des Pyrénées, j'ai vu le Tourmalet. C'est un objectif de vacances. Voilà, objectif de vacances. Voilà, c'est ça aussi le Tour de France. Alors je vous donne un rendez-vous. Si nous sommes déjà là, c'est simplement parce que dès l'arrivée de la plaine, nous avons pris l'hélico. D'ailleurs, Jean-Claude Killy, qui connaît très bien l'hélico, sait que nous avons été bien secoués pour venir jusque-là. Pourquoi? Eh bien parce que demain, dès 11h50 sur France 3, puis dès après votre journal de 13h, qui sera présenté en direct du Tour, je le sais, nous vous retrouverons pour vivre en intégralité l'étape de l'Alpe d'Huez. C'est ça aussi la belle association avec la Société du Tour et Jean-Claude Killy. Demain, grand spectacle sur France Télévisions. Il a toute la nuit la fête, la musique, les klaxons. Il y a une ambiance complètement folle. Merci beaucoup Patrick. Il y a effectivement apparemment beaucoup d'ambiance. C'est aussi dans la montée de l'Alpe d'Huez que se sont écrites les plus belles pages de l'histoire du Tour de France. Je vous propose d'en voir un rapide résumé avec François Brabant. 1986, ces deux hommes font entrer l'Alpe d'Huez dans la légende du cyclisme. Bernard Hinault et Greg LeMond arrivent ensemble, en tête, dans la station de Loisans. Le Français aide ce jour-là son coéquipier américain à gagner son premier Tour de France.
1952, le peloton découvre les 14 km d'ascension. Coppi est seul et termine premier à l'Alpe d'Huez, où il prend pour la première fois le maillot jaune. Fausto Coppi est le seul vainqueur de l'Alpe à avoir ensuite remporté la grande boucle. 1990, 11e étape, 4 hommes en tête. Delgado, Breukink et Claverola attaquent, mais Ronan Pinsec s'agrippe au maillot jaune. Au bout des 21 virages, Greg LeMond, ici, au centre, frôle la catastrophe. Il laisse la victoire au sprint à l'Italien Gianni Bugno, qui récidivera l'année suivante. 1994, Miguel Indurain en jaune fend la foule des supporters. Mais devant, Roberto Conti s'est échappé. Le transalpin est jusqu'à demain le 18e et dernier vainqueur de l'Alpe d'Huez. Alors, à qui le tour ? Voilà pour tous ces exploits réalisés au fil des années et qui promettent énormément pour la journée de demain. Jean-Claude Killy, comment considérez-vous, vous avez été champion olympique en 1968, tout le monde s'en souvient, comment considérez-vous un champion aussi prestigieux que Miguel Indurain ? Écoutez, c'est quelqu'un de hors du commun, puisqu'il ne fait quasiment rien comme les autres, mais vraiment, c'est quelqu'un de humble. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que je rencontre quelqu'un qui ne dit jamais « moi je ». Lui, il est intéressé par les autres, il aide, il est disponible vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis de son sport, ce qui est vraiment très, très important. Il aide à la promotion du sport qu'il aime. Et puis, il est très attaché à son pays, à sa Navarre, et c'est là-bas qu'il va rentrer. Il émane de lui, si vous voulez, une puissance intérieure à travers son regard qui est absolument fascinant. Miguel, rapidamente, una opinión sobre Jean-Claude Killy. Une opinion sur Jean-Claude Killy, en espagnol. No conozco mucho, lo conozco solo de como organizador del tour y como un buen esquiador en su época. Personalmente no tengo una gran referencia, pero siempre se preocupa mucho de los corredores, siempre importante los corredores. Voilà, une très haute opinion, bien évidemment, de Jean-Claude Killy en tant que champion, mais également en tant qu'organisateur. Je voulais vous remercier infiniment tous de nous avoir accueillis. Merci Jean-René Godard, j'espère que tout va mieux maintenant. Bah écoutez, mon pied droit ne va pas très bien parce que, bon, il faut le dire, j'ai une double fracture au niveau du pied. On est tombé avec la moto dans la descente du Cormet de Roseland cet après-midi. Ça fait partie aussi du Tour de France pour les coureurs, pour les journalistes. Et je suis très heureux de la manière dont ont réagi tous les coureurs, notamment Miguel qui était juste derrière nous quand on est tombé. Et c'est touchant quand on aime ça, quand on aime le Tour, voir sa réaction tout à l'heure, c'est vraiment merci, très touchant. Merci beaucoup Jean-René, merci à vous de nous avoir accueillis et de nous avoir fait partager votre passion. Et bien évidemment, nous nous retrouvons en direct dès 13h dans le journal de Daniel Bilalian demain. Et Patrick Chen, vous le disait, toute l'après-midi sur France Télévisions. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente soirée. Merci et nous vous retrouvons demain, bien sûr, en direct de l'Alpe d'Huez. Je vous propose, avant de vous souhaiter une excellente soirée, revenir sur l'information que nous avons appris peu avant ce journal, 20h, l'assassinat à Paris de l'imam de la mosquée du 18e arrondissement de Paris, une personnalité islamique très importante puisqu'il était le cofondateur du FIS. Je vous propose de découvrir tout de suite le reportage de Valérie Astruc. Il était environ 18h30 quand l'imam Sahraoui s'écroule, touché d'une balle dans la tête, dans la salle des prières de sa mosquée rue Mira à Paris. La fusillade fait une autre victime, un homme qui pourrait être son garde du corps et qui a été tué lui aussi alors qu'il tentait de s'interposer entre le vieil homme et ses deux agresseurs. L'imam Sahraoui était une des grandes figures de l'islamisme en France et en Algérie. Il fut cofondateur du FIS et pourrait avoir été l'objet d'un règlement de compte entre le GIA et le FIS. Car Abdelbaki Sahraoui a toujours dénoncé la violence des extrémistes. Si son assassinat est bien l'œuvre du GIA, ce serait dans ce cas une première sur le territoire français. Nous retrouvons tout de suite sur place Thierry Curté. Thierry Curté, est-ce que l'on a d'ores et déjà une idée des commanditaires de ce crime ? Non, pour ce qui concerne des hypothèses, il est bien évidemment trop tôt pour évoquer ces hypothèses. Ce que l'on sait simplement, c'est que l'imam Abdelhaki Sahraoui faisait l'objet de menaces du GIA depuis le mois de mai, qu'il s'était fait accompagner d'un certain nombre de gardes du corps depuis un certain temps. Vous entendez sans doute derrière moi les sirènes de pompiers, les sirènes de police. Je me trouve à peine à 300 mètres de l'attentat. Simplement deux petites informations. Il semble que le nombre des agresseurs ait été de deux, qu'ils aient pris la fuite à pied, qu'ils aient utilisé deux armes différentes pour commettre cet attentat. Une arme munie d'un silencieux, une arme semble-t-il de guerre, où ils ont braqué donc l'imam Abdelhaki Sahraoui, et une deuxième arme, sans doute un fusil à pompe, pour abattre ce qui est probablement l'un des gardes du corps dans la rue juste devant la mosquée.
Merci Thierry. Nous reviendrons bien évidemment sur cette information, sur cet assassinat dans le dernier journal en compagnie de Philippe Lefay vers minuit 10. Philippe Lefay qui reviendra bien évidemment sur l'autre information importante de cette journée, la chute de Srebrenica en Bosnie, une enclave musulmane qui est tombée aux mains des Serbes aujourd'hui. Et je vous rappelle ces déclarations très importantes de Jacques Chirac tout à l'heure à Strasbourg à l'issue du sommet franco-allemand. Le président français a en effet déclaré que la France était prête, si l'ONU le demande, à mobiliser ses forces pour restaurer l'intégrité de cette enclave musulmane qui est donc tombée entre les mains de Serbes de Bosnie. Encore une fois, Jacques Chirac a bien pris garde de dire que cela se ferait si le Conseil de sécurité donnait son feu vert. Fin de ce journal, bonne fête aux Benoît. Dans un instant, la météo en compagnie de Sophie Davant avec un retour progressif à des temps plus stables. On vous l'a dit, demain à nouveau, un 20h en tandem. Lénard au guidon et moi qui pédale. Très très bonne soirée, à demain.